Salut les amis, j'espère que nous en forme. Ok, on va continuer ensemble avec séance de correction pour physique là. Donc, j'espère que nous avons la première vidéo, j'espère que tout le monde a passé bien. Et donc, là dans la vidéo, ça dit même nous avons quelque chance pour nous ensemble avec moi. Et deux exercices, ok, qui sont trois. Donc, ce qui c'est exercice condensateur hein? Et puis exercice alternatif là. Donc déjà avant même que nous commencions, donc pas hésiter liker, partager, sous nouveau abonné. Donc c'est seule façon capable de dire ou capable encourager channel là et pas hésiter aussi la gon bagaille sur compte mon cachant les amis. Donc ça permet nous même nous capable procurer nous pas mal de matériel parce que j'aime toujours dire travail là pour que professionnel. Donc ça son projet li pou ko fini tant ko ndidi. So n'a travail, n'a bay bet, n'a toujours pote soutien nou gens que nous capable moi même a faire le maximum de moi peut-être ça. Donc désolé aussi si toutefois gen vidéo n'a tann que nous pas joindre donc faut me dire nous et faire vidéo. Donc c'est pas difficile m'ka di difficile par contre sauf que ça prend du temps. Donc travail vidéo ça prend temps. Donc m'a expliquer nous ça en détail dans vidéo que m'gen pour me faire. Alors, on a remarqué les amis, on dit nous comme ça, un condensateur de capacité C égale 2,5 microfarad est soumis à une tension continue de 200 volts. Bon, nous, capacité un condensateur qui c'est 2,5 microfarad, c'est-à-dire c'est 2,5 par 10 puissance moins 6 farad. On dit nous, il y a une tension qui c'est 200 volts. Et puis, on dit nous, étant chargé, il est déconnecté de la source. C'est-à-dire, condensateur en chargé, il y a un chargement capable de dire qui c'est Q. Mais yo déconnecté dans sous-tension et yo associé li ensemble avec un autre condensateur yo dit nous deux capacité C2 égale à 1,5 microfarad. Donc nous gagne deux condensateurs qui placés en parallèle les amis puisque là on a remarqué aussi yo dit nous C2 lui-même li non chargé. Yo dit quelle est la DDP au bon du système formé des deux condensateurs. De pour mandote et différence de potentiel au bon du système on met connaît et c'est en parallèle. Peut-être, ok, si toutefois tu as l'autre indice, toujours, tu es capable d'identifier comment, ni en série ou bien ni en parallèle. Mais là, c'est en parallèle le fait que dit nous calculer DDP au bon du système. Nan. Donc, question ça, c'est une question clé qui toujours dans un circuit qui est un condensateur en parallèle, les amis. Après, petit b, calculer la charge prise par le système. C'est pas compliqué, c'est très très simple, les amis. Nous allons passer, nous allons mettre des détails, nous gagnons ensuite pour nous faire correction. Donc les amis, n'a pas remarqué là, ça c'est schéma que me fait pour moi présenter ça au dim là. Et pas oublier te dit moi j'ai une capacité C. Donc on dit là moi j'ai C. Et yo te vinn dim que me vinn gon deuxième capacité donc moi dit C2 puisque là yo te dit me gon capacité C par contre qui te gagne en capacité de 2,5 microfarad. Donc m'a dit C égal à 2,5 par 10 puissance moins 6 farad. OK? Donc là, à noter que je vais toujours choisir mes tours dans le schéma. Donc, ce n'est pas aucun problème aussi. Ensuite, je te dis que la capacité C en lui-même, il connecte dans une source, on est capable de dire qu'il gagne 200 volts. Donc, mettez U qui égale à 200 volts. Après, je te dis que vous branchez ensemble avec C2. Donc, dès que vous avez une idée, vous avez dit que c'est en parallèle. Donc, je vais présenter le schéma en parallèle. Même si vous ne mettez pas un sous-schéma, il est important pour faire, comme je vous toujours dit. Eh bien là, C2 lui-même. Donc, il est égal ensemble avec 1,5 par 10 puissance moins 6 farad. Puisque je te dis moins, C2 égale ensemble avec 1,5 microfarad. Donc, en gros, là, je dis que j'ai une tension qui tape tension, tension système. Là. Donc, qui c'est US. Puisque là, il est en parallèle. Donc, tension qui tape là, c'est tension système. Là. Ok? Donc, j'espère jusqu'ici, ça va, les amis. Donc, à noter que pour nous capables de jouer une différence de potentiel au bon du système, non? Donc, on a tout simplement mis petit a là, les amis. Et puis, m'a mis la DDP. Alors, les amis, pour nous capables de jouer une différence de potentiel au bon du système, non? On a désigné par US, l'enjeu que nous mettons sous schéma. Et bien, lui-même, l'a égal ensemble avec charge système, non? Qui c'est charge totale, à diviser par capacité système, non? Qui c'est capacité totale. Donc, à noter que, condensateur nous yo placé en parallèle pour me joindre charge totale là m'a fait c'est charge 1 plus charge 2. Par contre comme étant donné yo t'ai désigné premier condensateur man, tout simplement par C donc au lieu que mettre charge 1 m'a tout simplement mettre charge. OK, moi retirer ça. Et pour nous capable joindre capacité système là qui c'est capacité totale, m'a dit c'est C plus C2. OK les amis, donc jusqu'ici m'espérer ça va.
Donc, à noter que, yo te dit nous, lorsque yo branché premier condensateur nous ensemble avec deuxième condensateur, yo te dit nous, deuxième condensateur là, li non chargé. Lorsque yo dit nous, li non chargé, ça signifie que Q2 li même, li égal ensemble avec 0, les amis. Donc, de yon a toujours mette Q2 égal à 0, et bien, les amis, d'abord dit, tension système dans les amis, li tape égal ensemble avec charge divisé par capacité plus C2. OK, capacité premier condensateur là plus capacité deuxième condensateur là. Donc en d'autres termes, charge totale là est égal ensemble avec seulement charge premier condensateur que nous t'ai gagné les amis. OK? Donc qu'on a qui ça n'a fait, n'a tout simplement aller dans formule nous remplacer tout ça que nous gagné. À noter que nous va dire tout simplement US égal. Donc lorsque nous dit charge qui c'est pour capacité et pour ce qui pour premier condensateur en fait que nous te gagnant, et bien on va dire c'est capacité condensateur côté gagnant, donc il est égal à C multiplié par U, c'est-à-dire capacité premier condensateur là multiplié par tension que il te gagnant. Qu'on y a là nous t'a dit c'est toujours C plus C2. Qu'on y a n'a tout simplement dit US égal les amis capacité premier condensateur nous que gagnant c'était 2.5 par 10 puissance moins 6 multiplié par tension, donc multiplié par 200. Divisé par C, qui c'est toujours 2.5 par 10 puissance moins 6, plus C2, qui c'est 1.5 par 10 puissance moins 6 aussi. Alors là, les amis, bon, faut y camper parce que, dans le monde qui compte tout dans le calcul, ça y est. Lorsque nous gagnons, par exemple, 2.5 par 10 puissance moins 6 plus 1.5 par 10 puissance moins 6, vous faites somme de valeurs, ça y est, les amis. OK, ou fait somme là 10 puissance moins 6 là considérer comme si nous avons dit par exemple pour gagner c'est x ou gagner et comme si par exemple nous avons dit gagner 2.5x plus 1.5x. OK, par contre si c'est multiplication nous gagner là entre eux les ça nous avons fait multiplication avec 10 puissance moins 6 et 10 puissance moins 6 qui t'a pas venir même 10 puissance moins 12. Par contre là m'a fait addition ensemble avec ça on m'a kembé 10 puissance moins 6 là parce que là comme si nous t'ai factorisé par 10 puissance moins 6 les ça m'a dit gagner 2.5 plus 1.5, mettez ça en facteur, et puis nous avons dit multiplié par 10 puissance moins 6. Laissez ça à 10 puissance moins 6, si multiplié par ça, la vine comme ça, multiplié par ça, la vine comme ça. Donc, il faut que nous ne pas troubler dans le calcul ça, donc, m'espérez ça en tout cas. Et donc, nous avons tout simplement dit US, tension système, non? Donc, 2.5 multiplié par 200, les amis, l'a abouti ensemble avec 500. Et puis, nous dit divisé par. Et 2.5 plus 1.5 là les amis, la égale à 4. Donc, n'a toujours gagné par 10 puissance moins 6. Par 10 puissance moins 6. Donc, nous avons fait simplification. Et puis, nous avons prêté U système là, qui est égal à 125 volts. Donc, ça, c'est tension système là les amis. Après, il y a eu une demande de nous pour nous être capables de calculer charge système là aussi. Donc c'est pas compliqué. Pas oublier m'te dit nous les amis, le fait que condensateur même yo placé en parallèle, charge système là lié égal ensemble avec charge premier condensateur là plus charge deuxième condensateur là, j'ai que nous t'ai metté dans formule là. Par contre, yo te dit nous deuxième condensateur là li non chargé. Donc Q2 égal 0, j'ai que nous t'ai posé là. Donc ça qui fait n'a vinn gen qui est-ce qui c'est qui c'est charge totale là, la égal ensemble avec seulement charge premier condensateur là. Donc c'est pas compliqué. Donc n'a simplement dit Q est égal charge premier condensateur dans les amis, nous t'ai abouti ensemble avec calcul qui t'ai ban nous 500. Donc qui c'est 500 par 10 puissance moins 6 là. Donc en d'autres termes, c'est lui-même qui charge là. Donc nous gagnons pas finuel. Donc c'est pas compliqué, n'a dit charge système là, l'a égal ensemble avec charge premier condensateur non. Si toutefois n'a calculé charge premier condensateur nous les amis, n'a dit c'est capacité multiplié par tension que t'ai gagné. Donc ça qui fait n'a vinn une charge système là égal et capacité en c'était 2.5 par 10 puissance moins 6, j'ai que nous t'ai fait la formule là, les nous t'ai calculé dans les là, c'est lui même et puis n'a dit par 200. Et bien Q est égal à 500 par 10 puissance moins 6. Coulons les amis, nous ca mettre en milli. Donc milli c'est 10 puissance moins 3, n'a dit Q est égal. Donc là m'ai 10 puissance moins 6, ça signifie que m'a mettre chiffre après virgule. Donc là si je retire 3, donc j'ai 3 chiffres là qui c'est 500, donc m'a dit 0.5 par 10 puissance moins 3 coulomb qui est égal 0.5 mc milli coulomb. En gros les amis, m'a dit ça c'est exercice condensateur là. OK?
Kounya les amis, nous allons passer pour exercice alternatif là. Alors les amis, nous finissons ensemble avec mes exercices condensateurs là, donc mes spirit bite, OK? Et nous allons passer kounya pour exercice alternatif là. OK, donc là dans exercice ça veut dire nous comme ça. On fait passer un courant alternatif sinusoïdal IDT égale à 2.5 racine de 2 sinus 314T. Donc là, on a une intensité instantanée, là, les amis, sous forme IM, qui c'est intensité maximale, sinus oméga T. Donc oméga, nous connaissons qui c'est pulsation courant. Je dis, nous, dans une bobine de résistance R et d'inductance L. Donc là, nous avons une bobine réelle. Je dis, nous, comme ça, la tension efficace, assez bonne, vaut 60 volts. Et la quantité de chaleur qu'elle dégage en 5 minutes équivaut à 15 kJ. Donc là les amis, m'ka di exercice ça li gon petit piège la donne que m'ka di ou bien bon, c'est petit détail qui important. Donc là on dit nous quantité de chaleur qu'elle dégage et n'a remarqué yo ban nou en joule. Et d'habitude nous souvent ouais quantité de chaleur c'est nous toujours désigner par QC et yo toujours dit nous égal à énergie divisé par 4.18. Donc donc là ça li exprimé en calories. Donc là on dit nous quantité de chaleur là et puis nous en joule. Donc là ça c'est énergie que les amis, c'est pas quantité de chaleur que les vraiment. Parce que je garantis, si vous le faites ensemble avec la quantité de chaleur, là, donc vous avez appliqué la formule qui dit quantité de chaleur égale ensemble avec énergie divisé par 4.18, là, les amis, vous avez abouti sur une valeur lorsque vous finissez calculer résistance bobine. Lorsque vous calculez l'inductance, là, vous avez finir une valeur qui est négative. En plus, tout pas oublier. Et moi rappelle que je fais une vidéo. Bon, par contre, si toutefois, ou même vous avez le côté que je dis, nous, résistance, là, il pas doué dépasser impédance, là. OK? Résistance, là, il pas doué dépasser impédance, là. Résistance, là, supposé pipiti qui est valeur impédance, là, les amis. Donc, après, dernière question que vous dites, nous, lui-même, il a là, il dit, nous, comme ça, pour nous, construire les vecteurs tournants de Fresnel relatifs à ce circuit. Laisse ça, il m'a dit nous pour nous capable faire diagramme les amis. Diagramme de Fresnel, je nous connais ici. Alors, nous allons passer les amis. Donc, je vais faire un petit schéma. On fait un petit schéma pour mettre les bobines. Après, pour nous capable mettre les petits détails que nous gagnons. OK? Donc, nous allons mettre tout détail les amis. Alors les amis, donc là ça c'est schéma que je suis capable de nous faire. Donc à noter qu'il te dit nous bobine il gagne en résistance, donc on va mettre R là et il gagne en inductance, donc mettez L là. Il te dit nous tension assez bonne c'était 60 volts, donc on va mettre IE égale à 60 volts là. OK? Ensuite, il te dit nous il gagne intensité instantanée les amis, donc on va mettre là en bas là, moi dit IDT égale ensemble avec 2.5 racine de 2 sinus 314 fois T. Et ensuite, yote ban nou énergie. Donc, m'a mette li là. Qui égale à 15 kJ. Donc, c'était 15 000 joules. Ensuite, les amis, yote ban nou temps. Ok. Donc, qui te en minute. Donc, m'a mette li en seconde. J'en kem te di nou. Donc, n'a fait ces 5 à multiplier par 60. Donc, kap vin ban nou 300 secondes. Donc, bon, c'est là, nous abouti. Nous gagnons tout bagay net, les amis. Nous gagnons tout détail net. Et donc, là, m'a tout simplement dit solution. OK? OK, kounya les amis, petit a, yo te dit nous pour nous déterminer résistance. Là. Donc, n'a dit, déterminons. Yo te dit nous déterminer aussi inductance. T'as fait la vraie, déterminons. OK, les amis. Donc, là, pour nous capables de jouer une résistance bobine, non? Nous allons passer dans une formule qui permet de nous calculer l'énergie puisque nous avons l'énergie dans la donnée. Nous sommes nous capables de calculer l'énergie par formule qui dit R IE au carré fois T. Donc, nous que nous avons besoin de ces résistances-là, nous avons tiré, les sans abouti, nous avons dit R égale, barre de fraction, nous avons mis l'énergie, tout ça colla R pour diviser, donc nous avons gagné ces tensions, intensité. Intensité efficace au carré à multiplier par temps. Là, nous gagnons énergie, nous gagnons temps, nous pas gagnons intensité efficace. Donc, qui ça nous capable tout simplement faire? Nous allons aller là, les amis. Là, on te. À noter que, yo te ban nou, IDT. Yo te dit nous, IDT égale à 2.5 racine de 2 sinus 314 T. Donc, IDT, c'est-à-dire, les amis, li sous forme IM sinus oméga fois T. Ça qui vient
avant sinus là, c'est IM, ça signifie nous t'ab dit IM. Les amis, li égal avec 2.5 racine de 2 ampère. Ça qui colle, ça qui entre sinus là et T1, c'est pulsation. Donc nous t'ab dit pulsation égale à 314 radian par seconde. OK? Donc mais yo là, donc et juste pour me décortiquer pour nous. Donc nous gagne intensité maximale les amis. Et nous gagnons pulsation courant. Mais par contre, c'est intensité efficace, moi dis nous gagnons besoin. Mais pour nous te joindre, il faut que nous te gagnions intensité maximale. Quand y a là, nous t'avons dit, nous te gagnons toujours mettre ça là, comme 1. Et puis nous t'avons dit, avec IE égale IM divisé par racine de 2. Et bien là, ça, nous t'avons dit IE égale IM, c'est 2.5 racine de 2. A divisé par racine de 2 qui dans formule là. Ça qui fait nous t'a abouti vinn jwenn intensité efficace égale à 2.5 ampères les amis. Kounya le fait que nous vinn jwenn intensité efficace là, n'a pas retourner dans formule là. Laisse ça nous t'a dit résistance là li égal. Yo te dit nous c'est énergie qui est ensemble avec 15000 joules que nous te gagne là donné divisé par intensité efficace dans les amis qui c'est 2.5 par contre li au carré. Nos formules, nous mettons le carré, multiplié par 300, ok, qui s'étend en seconde. Donc, on a dit résistance là égale, lorsqu'on fait calcul, on a vu une jeune égale à 8, les amis. Et puis, nous dit ohm. En gros, les amis, ça, c'est résistance bobine. Kounya, nous parler pour inductance dans les amis. Donc, on a tout simplement mis l'inductance de la bobine. Pour nous capable jeune inductance bobine dans les amis, pas gain l'autre moyen, pas gain l'autre possibilité que dans formule impédance là que nous connaît qui dit impédance en dans bobine li égal avec racine carrée de R carré plus L oméga au carré. Donc c'est inductance là qui là nous gain besoin les amis. Donc ça veut dire faut que nous fassions pour nous tirer. Donc si m'a retirer racine carrée les amis, m'ta vinn jeune c'est Z carré égal R carré plus mettez inductance au carré et puis me dit pulsation au carré parce que là lorsque me gagne L oméga au carré donc et carré en li pour L le même tout li pour pulsation kounya là si nous t'a tiré si nous t'a fait transposition me d'avoir vinn joindre Z carré moins R carré égale L carré pulsation au carré. OK, donc si me tire L me t'a vinn joindre L au carré li t'a égal ensemble avec c'est Z carré moins R carré à diviser par pulsation au carré. Pas oublier, c'est plus ça, et c'est inductance que nous avons besoin, c'est pas inductance au carré. Donc, nous avons pris racine carré numérateur là et racine carré dénominateur là. Donc, ça veut dire, nous avons besoin racine carré de Z carré moins R carré divisé par pulsation aussi. Ok, bon, pulsation au carré. Donc, ça, là, toujours la même bagaille là. Donc ça qui fait nous t'avons une formule là qui t'a ban nous c'est racine carré de z carré moins r carré divisé par pulsation. En gros les amis, c'est dans formule ça nous pour faire jeune pour nous capable joindre inductance là. OK, c'est la donne. Et à noter que nous pas gagner impédance là qui c'est z. Par contre nous gagne r nous fait que se calculer pulsation nous sommes décortiquer qui c'est 314 là. Donc nous pas gagne z. Donc nous déca tout simplement dit avec Z égale à UE qui c'est tension efficace divisé par IE qui c'est intensité efficace. Tension efficace les amis, c'était 60 volts. Pas oublier yoté banoul à la base dans exercice là qui là. Et intensité efficace dans lui-même, nous t'es à chercher, c'était 2.5 là. Donc là on a dit 2.5. Kounya là, n'a besoin Z les amis, là égal lorsqu'on fait 60 divisé par divisé par 2.5 là, l'égal à 24. OK? Et puis c'est ohm li exprimé en ohm aussi, il gagne même unité ensemble avec résistance. On y a ça les amis, m'a capable aller m'a dit L égal mettez barre de fraction, mettez racine carrée et c'est Z carré. Donc ça veut dire c'est 24 au carré moins 8 au carré qui c'est valeur résistance là. Donc mettez le carré divisé par 314. Donc, n'a vinn joindre L égal lorsque nous fin fait calcul. Numérateur les amis, la ban nous
22.62 divisé par 314. Donc, nous avons abouti ensemble avec un résultat qui est 0.0720 et puis nous gagnons 61. Donc, nous avons arrivé jusque là. Donc, là, les amis, le fait que valeur n'a pas été un petit, je mette li dans une sous-multiplio qui est milli. Si je mette le milli, ça signifie et c'est 10 puissance moins 3. Donc, si je avance régulièrement à 10 puissance moins 1, 10 puissance moins 2, 10 puissance moins 3. Donc, c'est 72. Par 10 puissance moins 3 Henri. OK? Kounya les amis, nous finissons avec inductance là. Pour me continuer les amis, je te demande nous facteur de puissance bobine là. Donc facteur de puissance là qui c'est cos phi li égal avec résistance divisé par impédance. À noter que formule générale dans les amis c'est somme résistance, c'est-à-dire ce qui, par exemple, gagne plusieurs résistances dans le circuit, on va faire somme toute résistance. OK? C'est R, sommation de R divisé par Z. Résistance par nous, c'était 8. Impédance par nous, les amis, c'était 24. Bon, en gros, on a besoin cos phi, là, égale avec 0.125. Il n'y a pas gagné unité. Il n'y a pas gagné unité. À noter que aussi, facteur de puissance, là, y compris entre 0, OK? Cos phi. Y compris entre 0 et 1. Il pas ka pi petit que 0, de même tout pas ka pi fort que 1. OK, c'est une raison qui fait moi dit nous résistance là pas ka il pas ka pi il pas ka pi fort que impédance là parce que si imaginons et impédance et résistance là égal à 25. Donc on va faire 25 divisé par 24 la bam 1 point combien. Donc c'est-à-dire résistance là pas ka pi fort que impédance là les amis parce que facteur de puissance là y compris dans intervalle ça. Ensuite, yo demande nou diagramme de Fresnel là, donc bon tout simplement mettez petit b et m'a dit diagramme. OK les amis, pour nous faire diagramme là, pas oublier nous gagne un circuit qui c'est une bobine réelle. En dedans bobine là nous gagne une résistance et nous gagne une inductance. Alors, n'a prend intensité comme origine de phase. Donc on fait la main, OK? On fait la main, nous prend intensité comme origine de phase. Depuis à la base les amis, yo t'ai toujours dit nous que tension en dans une résistance est toujours en phase par rapport ensemble avec intensité. OK? Tension en dans une résistance est toujours en phase ensemble avec intensité. Donc là, on t'a dit ça c'est tension résistance là. Ouais, on tire enfoncer juste pour nous capable. Et pas oublier nous gagnons inductance. Et bien dans une inductance nous toujours connaît tension lui-même lui en avance de phase de 90 degrés par rapport à intensité. Et bien là ça c'est ta tension inductance là. Donc ça on capable dire ça c'est angle là qui forme les amis. OK, de 90 degrés. Donc le fait que là moi était ça là comme ça donc c'est une tension d'équilibre que on capable dire nous pour le tracer. Tension d'équilibre là c'est lui-même cap tension totale qui a tension efficace. Donc les amis, on pense là et ça c'est diagramme non parce que c'est pas compliqué et là lui-même ça c'est angle de défaçage là qui c'est phi. OK? Donc parfois qu'on fait projection, OK, ou quand on mettait un pointillé là comme ça. OK? Donc là ça c'était dernière partie exercice là côté que m'était à faire sur mot sur feuille. Donc on pense nous ouais, facteur de puissance là. Moi monter nous kounya et toute reste partie les amis. Donc déjà on l'a vous était connecté l'autre vidéo va venir, soyez patientes.